À un moment donné, pour faire de l'argent, c'est pas magique, hein. Les gens, ils te donnent pas de l'argent comme ça. Il n'y a personne qui vient qui te donne de l'argent comme ça. Ok, il faut leur apporter de la valeur et il faut les influencer à prendre la bonne décision. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner. Tu connais, je te le dis tout de suite. Abonne-toi, clique sur la notification, sinon on fait comment ? Hein, ça sert à rien sinon. Hein. Je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. J'ai grandi à Ivry dans 91, aux pyramides, ok, 9-1, ok. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique, ok. Tu veux que je te fasse chialer? J'ai perdu mon ami d'une balle dans la tête. Mes parents sont divorcés. Le gouvernement, je suis une minorité qui se sent agressée constamment, ok. Et pourtant, j'ai créé mon business en ligne. Donc arrête de chialer, arrête de trouver des excuses, ok. J'ai créé mon business en ligne à travers ma passion et j'ai généré 2000 euros par mois. Donc moi je t'accompagne, enfin les déterminés, j'accompagne les déterminés à créer leur business en ligne, d'accord. Je les coach directement pour qu'ils puissent eux aussi, bah, pour être libres géographiquement, tu vois aujourd'hui là, je suis à Atlanta par exemple, pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, ok. Et ça peut aller super vite si jamais tu as déjà une expertise, si jamais tu as déjà une passion par exemple, soit sur la photo, la cuisine, tout ce que tu veux, ok, et vendre des formations en ligne par rapport à ça. Donc moi je te coach directement, tu as tout en description. De toute façon, tu as des formations offertes si tu veux aller plus loin. Donc, on va voir ensemble dans cette vidéo 4 états d'esprit pour pouvoir réussir tout simplement. Donc, pour les gens qui veulent plus d'argent, tu es au bon endroit. Okay, pour les gens qui veulent pas d'argent, qui ont un problème avec l'argent, tu peux directement quitter cette vidéo et aller regarder des vidéos de chats, par exemple. Donc, 4 états d'esprit que j'ai vu, c'est toutes les personnes que j'ai interviewées. Ça, si tu regardes cette vidéo, c'est que généralement, tu as regardé pas mal de mes vidéos qui sont en interview. D'accord ? En général, c'est là où j'ai le plus de vues, c'est les interviews. Vous aimez quand j'interviewe les gens. Donc, je vais peut-être même orienter la chaîne beaucoup plus là-dessus, parce que j'ai remarqué que mes vidéos, tout le monde s'en fout. Mes vidéos, non. Par contre, dès que j'ai fait des interviews, ça, les gars, vous aimez. Là, vous aimez bien. Donc, on va voir. Peut-être que je vais peut-être partir là-dessus, en mode intervieweur. On s'arrête jamais. Ok ? Je suis en train d'y réfléchir. Laisse-moi en commentaire, tiens, d'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses. Bien que par rapport aux stats, j'ai bien compris que les interviews, c'est ce que vous aimiez. Donc, premier état d'esprit, si jamais tu veux réussir, si jamais tu veux faire plus d'argent. Prise d'initiative. Initiative. Les gars ne prennent pas d'initiative. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Les gars sont toute la journée sur Netflix, sur Instagram, en train de liker, hein, toi-même, tu sais. Et après, ils comprennent pas. Tu peux pas réussir si jamais tu prends pas d'initiative. C'est impossible. L'esprit d'initiative, ça me rappelle quand j'étais en stage. Les gars disaient, ouais, faut faire preuve d'initiative, les gars. Hein? Poser des questions. Bon, bref. Stage que j'avais raté, d'ailleurs. Hein? Bon, je ne te referai pas le parcours chaotique de mes années scolaires. Si tu ne prends pas d'initiative, tu es cuit. Je te le dis direct. Ce n'est pas possible, en fait. Okay? Initiative, par exemple, c'est je prends la formation de Jonathan qui est juste en dessous. Elle est offerte. Esprit d'initiative. Il y a des gens qui, je t'assure, qui m'envoient des messages, qui me disent, est-ce que tu penses que je devrais prendre ta formation offerte? Mais là, mec, je sais pas quoi te dire. T'es sérieux? Tu viens me poser en DM la question, est-ce que tu penses que je dois prendre la formation offerte? Mais gars, c'est offert. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ok, donc là, eux, je me dis déjà, ils partent d'être en loin. Ça va être difficile. Et je peux te dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a que je sais, même là, toi là, il y a de grandes chances que tu en fasses partie. Est-ce que je dois prendre? Est-ce que je peux me faire carotte? Est-ce que prise d'initiative. Évidemment que dans une prise d'initiative, il y aura toujours une part de risque. En tout cas, pas pour prendre une formation offerte. T'inquiète pas. Ok. Et si jamais tu vas aller plus loin, boum, tu testes, boum. Et après, tu verras si jamais ça t'intéresse ou pas. Est-ce que c'est là-dedans que tu veux partir? Parce qu'il y a plusieurs leviers pour pouvoir faire de l'argent. Il n'y a pas que vendre des formations en ligne. Il y a l'e-commerce, il y a l'immobilier, il y a la franchise. Il y a partir vraiment d'une entreprise de zéro. Hein. Je repense à Marvin, par exemple, qui a fait son Fresh.io, je crois que ça s'appelle. Il est parti de zéro. Il a commencé à faire de la cuisine chez lui. Voilà. Et là, il a mis un post sur Facebook. Est-ce que ça intéresse des gens que je livre des repas diététiques? Voilà, que je livre des repas diététiques chez vous directement. Et les gens, ils ont dit oui. Il a eu 2, 3, je ne sais plus combien de clients au début, 5, 10. Tu vois, de toute façon, j'ai fait une interview de lui, si tu verras sur la chaîne. Il explique ça. Ça a commencé comme ça. Il a commencé à livrer, puis ça a grossi. Boum, boum. Donc, tu peux aussi commencer comme ça. Je veux dire, l'argent, il est partout. Et maintenant, il est gros, hein, t'inquiète pas. Mais il a commencé comme ça. L'argent, il y en a partout. Mais si tu ne prends pas d'initiative, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est aussi simple que ça. Donc là, par exemple, pour Marvin, bah lui, initiative, mis sur, juste un post sur Facebook. Est-ce qu'il y a des gens intéressés pour que je vous livre un repas diététique? Boum. Oui ou non? Oui. Boum, ben ok, on est parti. Voilà, simple. Deuxième état d'esprit, l'imagination. L'imagination, on pense tout de suite à Walt Disney. Il faut savoir que le gars a été viré pour un manque d'imagination. Donc arrête de te plaindre.
tu vois. Arrête de dire oui, moi j'ai des galères. Il y a des gars qui commencent un business un mois, ils ont pas de résultat, ils disent oh, ça marche pas. Arrête un peu. Bon, ça n'a rien à voir avec l'imagination, mais je profite pour le dire. Parce que ça m'énerve. ça m'énerve. Ok, donc du coup, donc le gars a été viré parce qu'il n'avait pas d'imagination, alors que le gars c'est Walt Disney. Ok, donc il y a une phrase qui dit, je sais plus c'est de qui, tout ce que tu peux imaginer, tu peux le faire. Ok, s'il n'y avait pas des gens qui avaient imaginé d'avoir une chaise parce qu'ils en avaient marre de rester debout, à un moment donné, il y a un gars, il s'est dit, j'imagine d'avoir un truc où je peux juste m'asseoir comme ça là, au lieu d'être m'asseoir sur un rocher. Et le gars, il a fait un truc, boum, il a fait une chaise. Il y a quoi? Il n'y a rien. Voilà. Donc c'est simple, tout ce que tu vois, c'est quelqu'un qui l'a imaginé. Et là, le summum où on voit, là je t'ai pris le truc de la chaise, le basique, mais le summum, c'est Elon Musk. Le gars, il a imaginé dans son cerveau, on va aller vivre en Mars. Donc au début, tu rigoles. Il est drôle. Quoique tu rigoles pas trop, parce que tu sais que c'est Elon Musk. Tu vois, donc déjà, tu vois ce qu'il a accompli, mais là, tu te dis, bon là, Elon, je pense qu'il commence à perdre un peu la tête. Ok, il a eu du succès, Tesla, voilà, blablabla. Ok. Mais je pense que là, il va un petit peu trop loin. Bon, bah là, je pense que ceux qui rigolaient au début commencent à me rigoler. Hein. À un moment donné, le gars, il fait décoller une fusée comme ça, il l'a fait réatterrir. Donc ça fait flipper tout le monde. Tu te dis, là, le gars, il va vraiment aller sur Mars. Ok ? Donc quand ça va se faire, c'est parce qu'il l'a imaginé. Ok ? Donc pareil, imagine la vie que tu veux, donc à notre échelle. Hein, après, si tu es un Elon Musk, mon gars, rêve grand. C'est pas moi qui va te faire rêver moins grand que tu veux rêver. Ok ? Mais ce que je veux dire, c'est imagine déjà dans un premier temps la vie que tu aimerais avoir, par exemple. Imagine la vie que tu aimerais avoir, ok? Prends un temps, prends maintenant. Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu es? Dans quelle ville? Avec qui? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Imagine cette vie. Donc là, tu l'as imaginé. Bien, si tu l'as imaginé, c'est que tu peux le faire. Maintenant, juste choisis le levier que tu veux utiliser pour pouvoir y arriver. Parce qu'évidemment, il va falloir de l'argent, ok? Donc tu peux commencer comme ça, avec un business en ligne. J'ai commencé comme ça. Vente de formation en ligne, saxophone, 2000 euros par mois, boum! J'ai commencé comme ça. Et après, tu connais toutes les stratégies et tu peux te lancer dans n'importe quel business. Tu vois, ça me rappelle les rappeurs, je pense à J. Prince, un rappeur très respecté, je ne sais plus de qui, Houston, je crois. Je ne sais plus. Hein. Lui, par exemple, il a commencé avec un label indépendant en vendant de la musique. Et après, quand il a commencé à faire de l'argent, il a fait une société de préservatifs. Ça n'a rien à voir. OK ? Ça n'a rien à voir. Et ben, tout ça pour te dire qu'à partir du moment où tu commences, il faut commencer quelque chose en fait. Et quand tu fais du cash, après tu fais ce que tu veux. Tu veux partir sur une entreprise comme ça, tu pars là. Tu veux investir là, tu vas là. Et ainsi de suite, tu vois. Et après, il n'a pas fait que ça, pour te donner un exemple. Mais il a fait ça pour la deuxième entreprise. En tout cas, c'était sur le préservatif. Après, il a fait autre chose. Mais pour te dire, voilà, commence, fais quelque chose. Et ça revient sur le truc de prise d'initiative. Tu as imaginé ta vie, tu peux le faire. Troisième état d'esprit. Apprendre le comportement humain. Apprendre le comportement humain pour savoir comment vendre. En gros, comment les influencer. Alors, il y en a qui disent, ouais, comment ça, tu veux les influencer, tu veux les carottes ou quoi? Non, c'est pas tu veux carottes les gens. Okay, il y a une différence entre manipuler et influencer. Manipuler, ça veut dire que tu les manipules à faire quelque chose qui ne sont pas bénéfiques pour eux. Influencer, c'est influencer les gens pour pouvoir, pour leur bien-être en fait. Pour leur bien en fait, tout simplement. De toute façon, au quotidien, tu influences. Okay, déjà, juste par tes actions. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler, pour te dire. Si tu es un leader, par exemple, tu es là quelque part, eh ben, tu vas influencer les gens qui sont autour de toi. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens, tes amis, par exemple, ben, vous influencez entre vous. Je suis sûr, vos amis, vous parlez tous de la même manière, vous vous habillez tous de la même manière, vous avez la même façon de penser. Okay, donc ça rejoint en plus, entoure-toi des gens parce que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Okay, donc ça, c'est cadeau. Donc si tu veux devenir un millionnaire, essaye de t'entourer des 5 personnes millionnaires. Et si jamais tu ne connais pas un millionnaire, eh ben, de manière digitale, tu écoutes des vidéos et tu lis des livres, des biographies surtout. Okay, donc ça pour te dire que dans tous les cas, tu influences. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé la musculation, ben, tout mon cercle d'amis a commencé à faire de la musculation parce que forcément, tu as une influence. Chaque personne a une influence, surtout si ça fonctionne, tu vois. Donc, important d'apprendre. Donc, je te conseille le livre « Influence et manipulation ». Tu trouveras le lien qui est en dessous en plus. Je pense que j'ai mis les 10 livres à lire pour pouvoir entreprendre. OK, il doit faire partie. Je pense pas que je suis sûr que je l'ai mis dedans. OK, donc tu iras voir dans la description. Donc, important parce qu'à un moment donné, pour faire de l'argent, c'est pas magique. Hein. Les gens, ils ne te donnent pas de l'argent comme ça. Il n'y a personne qui vient qui te donne de l'argent comme ça. Okay, il faut leur apporter de la valeur et il faut les influencer à prendre la bonne décision. Parce que les gens n'aiment pas dépenser. Ils aiment acheter, mais ils n'aiment pas dépenser. Okay, c'est deux choses différentes. C'est quoi la différence? Acheter, ça veut dire que c'est eux qui le font par eux-mêmes. Okay, en tout cas, ils ont l'impression qu'ils le font par eux-mêmes. Et dépenser, c'est comme genre tu les forces un petit peu à acheter ou je ne sais pas. Tu vois. Donc, ça ne le fait pas. Okay,
Donc c'est pour ça qu'il faut savoir exactement comment les influencer. Et évidemment que quand on te vend quelque chose, ben c'est de l'influence. Quand tes parents te disent quelque chose, ils t'influencent. Quand tes amis te disent quelque chose, ils t'influencent. Okay? Donc super important de savoir exactement quels sont les leviers psychologiques sur lesquels appuyer pour pouvoir permettre à la personne de l'influencer à faire le bon choix. Okay? Si tu as un bon produit ou un service, c'est criminel pour toi de ne... Si jamais tu sais que c'est pour elle, d'accord, c'est vraiment un cadeau, c'est un cadeau, oui, on peut dire ça aussi, c'est un cadeau pour elle et que ça va changer sa vie, que ça va la permettre d'aller là où elle veut aller, il faut absolument que tu te débrouilles pour pouvoir qu'elle puisse acheter ton produit. Sinon, elle va passer à côté, elle va perdre du temps et peut-être qu'elle reviendra 5 ans après, mais elle aura perdu 5 ans. Et le temps, c'est la plus grosse ressource que l'on a. D'accord, ce n'est pas l'argent. Et quatrième état d'esprit, c'est l'enthousiasme. Il faut absolument que tu sois enthousiaste. Si tu n'es pas enthousiaste, personne ne va te suivre. Si personne ne te suit, ça veut dire que tu n'es pas un leader. Si tu n'es pas un leader, tu n'es pas un leader. Donc à un moment donné, si jamais tu veux faire de l'argent, tu es obligé d'être un leader. Tu n'as pas le choix. Tu dois être devant les gens. Okay? À partir du moment où tu es devant les gens, tu es face aux gens, là tu es un leader et il faut que tu sois un leader. Okay? Les gens ne veulent pas suivre, les gens ne veulent pas acheter le produit des gens qui ne sont pas des leaders. Les gens Les gens aiment être entourés de personnes qui sont des leaders. Okay? Donc à un moment donné, enthousiasme. Quand tu es enthousiaste, tu communiques cet enthousiasme à tout le monde. De la même manière que quand quelqu'un chiale et est toujours en train de se plaindre, eh bien, communique toute sa chialance aux gens qui sont autour d'elle. Tu vois? Super relou. Les gens ils pompent toute ton énergie. Alors que quand tu es avec des gens qui sont enthousiastes, autour de toi, ben, toi, boum, t'es enthousiaste aussi, tu vois. Ça, c'est, en fait, c'est, ça se propage, tu vois. Okay, donc moi, je suis très cartésien, mais je suis obligé d'avouer qu'il y a forcément de l'énergie. L'énergie, ça se propage parce que quand quelqu'un est malheureux dans une salle, ça fait baisser l'énergie ambiante. Et quand quelqu'un est up et enthousiaste, bah, ça fait monter l'énergie ambiante. Okay, donc voilà, c'était les 4 états d'esprit. J'espère que les gars, vous avez aimé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime. Et un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que tu n'arrêtes pas de chialer tout le temps, tu te plains tout le temps. C'est le gouvernement, j'en ai marre, c'est ma mère, c'est ma grand-mère. Okay? Et comme dit l'autre, la question est vite répondue. Donc peut-être que si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que tu as pris conscience qu'il était temps quand même de passer à l'action et de te bouger un peu. Donc tu as la formation offerte qui est épinglée juste en dessous. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu attends. Il faut que tu l'apprennes maintenant. Donc prends-la. Okay, c'est une formation offerte où je te montre exactement comment créer ton business en ligne, vendre des formations en ligne à travers ta passion ou ton expertise par exemple. Okay? Que tu sois... De toute façon, je te donne des idées business. Okay? Donc clique, c'est offert, c'est gratuit, il ne veut rien t'arriver. Tu reconsommes le truc et tu passes à l'action, tu arrêtes de dormir. Deuxièmement, si jamais tu es coach, expert, consultant, par contre, là je t'invite plutôt à cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour accéder à la masterclass où je te partage exactement comment mes clients font pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement, d'accord, en vendant du coaching. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.